C'est reparti avec le colonel Shepard. Et donc on doit commencer une mission. En fait on doit s'infiltrer dans une grosse base ennemie. Le centre de recherche de Saren pour être exact. Donc on va Insertion essayer ombre de. confirmée, je répète. Oh putain, ça Insertion commence ombre déjà à cliquer. confirmée. Artilleur Williams avec l'équipe Egor. Équipe Manova et Geto Wow. en avant. Contrôleur tourné. C'est bon, lui on a vu. Manova essuie des tirs croisés. Les guettes doivent avoir des tourelles longue portée en soutien. Ouais, c'est possible, c'est ce que je perçois aussi. Allez, on va se mettre derrière là. Ah oh, tiens, il y en a un là. Ah mais t'en mets pas devant, c'est. Voilà, toi t'es mort. Ou presque. Ah non, il est pas mort, disons. Il est pas envie de mourir. Ah voilà. On va essayer de s'avancer. Par là, c'est Yuri. Et je sais pas comment on va pouvoir le déloger. Est-ce qu'on va. Oh putain! J'attends! Ok. Tac, toi t'es mort. Heureusement qu'on devait être. On les a tous les su, Shepard. Ouais, je sais, ouais. Cette mission quête s'interrompue. Vas-y, on override. On override parce qu'on est des ouf. Yes, trop bien, Harry. Ok, c'est pas grave. Peut-être. Alors, attends. Ok, ouais, celui-là on va peut-être. Oui. Et qu'on est en double ou en triple, ça ne sert à rien. J'en ai du Storm 1 là. Voilà. Voilà, tout ça là, on va virer, tac tac tac, celui-là. Ça c'est du puissant, donc on va peut-être en garder quelques-uns. Voilà. Voilà, très bien tout ça. Ok. Donc là, on a viré ça. Non, là, il n'y a rien d'autre. Non. Ok, bon, on va retourner. On va retourner là, et puis on va poursuivre notre chemin. Cheminons par le chemin. Hop là. Là, là, là. Quelque chose a brouillé leur système de visée. Ils sont vulnérables. Arthur Williams, protégez Manovai. Ouais.
Ah, j'en ai vu un là-bas. Pas d'autre? Non, il n'y en a pas d'autre. Juste un là. Ok, toi t'es mort. Oh putain. Oh mais... Rechargement. Ok, on a un niveau de plus les gars. Qu'est-ce qu'on va faire? Faire formation d'assaut, allez, let's go. Toi, tu vas faire barrière, encore. Puis toi, tu vas faire premier secours. Hein. Voilà. Et puis je pense qu'il va y avoir d'autres méchants. Geto, surveillez les stations de transmission. William, vous voyez quelque chose? Putain, mais... Ah, mais... Voilà, boum. La voie est libre. Sûr qu'elle est libre, mec. Qu'elle est libre, Max. Pas la même qui dise qui ont voulu. Ok les gars. Ah ah. Ah, il y a encore des méchants. Oula. Boum. Ok, dead. T'es mort. Hop. Tiens là. Bon bout, Shepard. T'as du médigel du coup. Ah. Attends, c'est quoi ce bordel? Bon, à mon avis, faut monter dessus. On peut monter? Non, on peut pas. C'est quoi ce chantier? En dessous alors. Alors il y a pas. Y a pas Yesh, c'est pas par là. Bon, là-bas a priori y'a rien. Putain, c'est quoi ce bordel là? Si, y'a un truc là. Passer par là. On se fait massacrer à couvert avant le prochain passage. Ok, 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 ok. Ah ah. Wow, 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 wow. L'avoir, non, pas le pixel. Alors attends, on va pas se faire chier. On va aller défoncer ici. Bon, t'es mort, toi. Voilà, et où l'autre? Voilà. C'est quoi le problème maintenant? Conteneur, ok. Ok, alors maintenant faut qu'on essaye de passer.
Il doit y avoir un passage par là. Non. Massacrer les pauvres petits. Non. Ah, vache. Non plus. Oh putain, fais chier. Putain, j'arrive pas à voir. J'ai de l'autre côté là pour, Bon, tant pis, poursuivons ici. Ça là, non, c'est pas des. Ok. Là. Ah merde, ok, on a passé par là du coup. Ok. Ok les gars. Le capitaine Kira est touché. Egor, regroupez-vous avec Geto. Maintenez cette position. Ah putain, voilà. Putain. Je maintiens ma position. Geto en formation. L'équipe Ombre ne doit plus être loin. Ok les gars. Vous êtes toutes là ? Ah ah. Ça va bien. Et là on peut sauvegarder. Je pense que là j'y suis. Au centre de recherche. Par contre il y a des trucs bizarres sur... Ou alors c'est que le bordel nous fait passer par en dessous. Ok. D'ici, on a accès à la sécurité de la base. On devrait pouvoir couper les alarmes. Peut-être même déclencher celles de l'autre côté de la base. Super. Ça nous débarrassera des gardes, mais ça risque de faire beaucoup pour les Galariens. Désactivez simplement les alarmes. Les gardes, on peut s'en occuper. Ouais. Voilà. On va défoncer tous là. Bon, ok les gars. Putain, le thème est pas de vent. Boum. Putain, mais... Oh, ça vous arrive de tirer pas ou pas là? Ok, il en reste un. Des Galariens. Le capitaine Kira nous a dit qu'il avait perdu des hommes. Super. Wow, ça c'est bien.
dedans. Ok, gars. Norion. Attends, est-ce qu'il y a une carte? Je suis là. Ok, donc on n'a pas le choix. On aille là. Hop là. Super, merci, gars. Wow. Je vais rien faire de ça. Très bien. Vas-y, ouvre. Sésame. Eh oh! Y'a quelqu'un? Ouais, t'inquiète, on arrive. Putain, ça lag. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Poum. Poum. Des plumes. Ok, on peut les contenir? Nom de Dieu, comblez les rangs! Allez, j'y pars, magnifique! On n'arrête pas, on n'arrête pas, on n'arrête pas. Ah merde, je peux pas. Donc ça, ça va. Ok, donc ça, ça nous ramène à l'extérieur. Ok, ah bah attends. Peut-être... Allez, à la prison, là. Ouf. Ok, les gars. Bon. Vous n'êtes pas un guet. Et vous ne portez pas de blouse. Content de vous voir. Lieutenant Ganto Himnes du 3e régiment d'infiltration. Capturé en mission de reconnaissance. J'imagine qu'on a appelé la flotte pour détruire la base, non? La transmission n'était pas claire. Il n'y aura pas de flotte. Je vois. Alors vous devez être l'équipe d'infiltration. Tel que je connais le capitaine, il va faire détruire ce centre. Mon équipe a changé, elle s'est fait endoctriner. Il connaissait l'existence de la zone d'élevage. Mais l'endoctrinement, c'est bien pire. Bien plus terrifiant. J'ai vu des gens intelligents devenir des coquilles vides. De vrais zombies. D'autres sont morts pendant les expériences. Ceci dit, je les envie presque. Ces expériences, qu'est-ce que vous en savez? C'était des études sur l'endoctrinement. Ses symptômes, sa progression. J'ai l'impression que sa reine l'utilisait sur ses troupes sans vraiment comprendre la portée. Je peux pas vous en dire plus, à part que... J'ai vu le résultat. Les autres, ça leur a complètement vidé l'esprit. Je veux pas finir comme eux. Allez, ouvrez-moi! J'ouvre votre cellule, mais après, c'est chacun pour soi. On ne regarde pas en arrière et on croise les doigts pour ne pas sauter, c'est ça? Sans vous, je n'aurais jamais eu cette chance. Merci. Et bonne chance. Vous en aurez besoin. Ok. Ils sont totalement insensibles. Ce ne sont pas des manières de traiter des prisonniers. Les tuer, d'accord. Mais les laisser dans cet état-là. Ouvrez les portes. Donnez-leur une chance d'échapper à l'explosion. Vous êtes sûr? On devrait plutôt mettre un terme à tout ça, vu leur état. Faites-les sortir, ils ne nous feront pas de mal. Oui, commandant Shepard. Ok. Putain, je peux parler à lui là. Il appelle, je dois suivre. Ça marche, bon. Ok. Ah. Là, je peux... Cryptage simple là. Override réussi. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai tout dit. Mais... Vous êtes de l'Alliance, c'est ça? Je savais que quelqu'un viendrait. Il a essayé de me briser, mais il n'a pas réussi. Je l'ai empêché. Calmez-vous. Dites-moi d'où vous venez. Oui, chef. Soldat Menos à votre du 3e régiment d'infiltration, chef. Capturé en mission de reconnaissance il y a 6 jours, chef. Ces enfoirés n'ont même pas posé de questions. Des murmures, des coups, des blessures, c'est tout.
J'aurais dit n'importe quoi pour sortir et me venger. C'est pas trop demandé, si ? Une petite vengeance ! Vous pouvez m'aider ou je vais devoir vous traîner dehors. Je vais vous suivre à la trace. Je veux juste sortir, être loin de ces murmures incessants. Ça fait des jours qu'ils diffusent ça non-stop. Il y a quelque chose de louche, Shepard. Ouais, si on ne l'aide pas, c'est un homme mort. Il faut faire quelque chose. Tout à fait. J'ai pas envie de moisir ici, mais alors pas du tout. C'est trop petit. Et les murmures, ça casse les oreilles, vous savez. Je veux sortir. Allez, laissez-moi sortir. Libérez-le. Il pourra nous être utile. Oui, chef. Vous allez voir. Je suis très fort pour obéir aux ordres. C'est sûr. J'arrête pas de les entendre. Pourquoi ils les répètent tout le temps? Ils sont simples pourtant. Tellement simples. Voilà. Ok. Ah, mais ça aussi. Ok. Allez, on va passer par là. Parce que là, a priori, il y a des vilains pas beaux. Oula, ils sont nombreux en plus. Allez, ouvre. Oh, mais toi, tu vas mourir. C'est quand même sale, ça. Ok, bon, bah, on va aller en dessous, hein, puisqu'on n'a pas d'autre alternative. Ils ont une alternative, comme on dirait. Ah. Ok, ok, ok. Bon. Oh putain. Ah ah, kit d'assistance, donc ça c'est un individuel. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre truc à faire ici? Bon, a priori. Bon. Ok. On ne peut point. Là, on a déjà fait ici. Là, on les a bouffés, les mecs. Putain, les corps qui restent pas, ça me tue, ça. Putain, même dans Fallout. Prenez, il y a. Enfin, après, les corps se. Ah, oui, non, avec le verre suffisant. Chier. Ok, bon, là, on peut rien faire. Commande de l'ascenseur. Non mais ah ah putain, ça craint. Ça craint, ça craint, ça craint. Ah tiens. Cette neuronale. Ok, c'est pas grave. Ok. Oh là, mais... Merde. Ok. Putain, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu me tires dessus, toi? Norméo? Ah, j'aurais pu appuyer là-dessus, tiens. Ça ne sert pas, y'a rien. Ok, tiens, là, y'a un truc, station médicale. Ok. C'est pas grave. Voilà. Ok, allez. Ah, il va y avoir du... Il va y avoir du vilain ici. Hop là. Mec. Ok. Easy.
Attends, j'ai un putain de fusil, il fait trop du mal. Ah ah! Ne tirez pas, je vous en prie. Je veux juste sortir de là avant qu'il soit trop tard. Dites-moi, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez? Ranatanoptis, neurologue. Mais je ne veux pas mourir, ou pire encore, pour ce boulot. Vous croyez que l'endoctrinement ne touche que les prisonniers? Un jour ou l'autre, sa reine voudra me découper le cerveau en rondelles, à moi aussi. Je croyais qu'on était dans un centre d'élevage. Pas à cet étage. Ici, on étudie l'effet de Sovereign sur les cerveaux organiques. Du moins, c'est ce que je croyais. Sa reine nous a laissés dans le flou. Vous l'avez aidé et vous ne savez même pas pourquoi? Je ne pouvais pas négocier. J'ai signé un contrat à durée plus indéterminée que je l'imaginais. Mais je peux vous aider. Cet ascenseur derrière moi mène au labo privé de sa reine. Je peux vous faire entrer. Vous voyez, accès total à tous les dossiers privés de sa reine. C'est bon, je peux partir. Qu'est-ce que vous étudiez ici? C'est ce vaisseau Sovereign. Il émet une sorte de signal indétectable, mais bien réel. J'en ai vu les effets. Sa reine l'utilise pour influencer ses partisans, pour les contrôler. C'est ce qu'on appelle l'endoctrinement. Une exposition directe au signal vous transforme en esclave décérébré, comme les cobayes galariens. Mais il y a des dommages collatéraux. Qu'entendez-vous par dommages collatéraux? Le signal de Sovereign est trop puissant. Si vous passez du temps près de lui, vous sentirez une sorte de picotement au niveau de la nuque. C'est comme un murmure à peine perceptible. On se sent obligé de faire certaines choses sans savoir pourquoi. On obéit. Un point, c'est tout. Et on finit par arrêter de penser par soi-même. Tout le monde est touché dans le centre. Mon premier cobaye, c'était le type que je remplace. Je veux sortir de là avant que ça m'arrive. Pourquoi sa reine fait-il ce genre de recherche? C'est lui qui contrôle tout ça, non? Le signal vient du vaisseau. Il nous contraint à obéir à sa reine, mais je ne suis pas sûre qu'il le contrôle. Pas vraiment. Je crois qu'il craint d'être touché, aussi. L'endoctrinement est subtil. Lorsqu'on en ressent les effets, c'est souvent trop tard. Parlez-moi de ce signal. Signal, ce n'est pas tout à fait le mot juste. Il y a une espèce de champ énergétique qui émane de ce vaisseau et qui agit sur la structure de la pensée. Avec le temps, quelques jours, une semaine parfois, il affaiblit votre volonté. Vous devenez plus facile à manipuler et à contrôler. Mais ça entraîne une dégénérescence. Il y a comme un système de vase communicant entre le niveau de contrôle sur le sujet et le degré d'utilité du sujet lui-même. Plus le sujet perd de liberté, plus il perd de capacité. Je vais tout faire sauter. Si vous voulez vous en tirer, il va falloir piquer un sprint. Quoi? Vous n'allez pas? Je ne... Ça vous a plu, hein, commandant? Putain, mais pourquoi est-ce qu'il... pète à chaque fois? Allez, non, non. Override. Ah, non. Voilà. Armurerie sécurisée. Non, ça. C'est pas grave. Boum. Vas-y, let's go. Commandant, là-bas, il y a une autre balise, comme celle d'Eden Prime. Ouais, je vois ça.
Ok. Bon, bah, très bien. J'ai un mauvais pressentiment. Vous n'êtes pas sa reine. C'est quoi ça? Une espèce d'ivée? Des créatures rudimentaires de chair et de sang. Vous touchez mon esprit, un tâton. Du fin fond de votre ignorance, incapable de comprendre. Je ne crois pas que ce soit une ivée, non. Il existe un plan d'existence si éloigné de vos perceptions que vous ne pouvez le concevoir. Je dépasse votre entendement. Mon nom est Sovereign. Ce n'est pas un vaisseau de moissonneur que sa reine a trouvé. C'est un moissonneur tout court. Moissonneur. Un nom donné par les Protéens pour incarner leur destruction. Qu'importe leur sobriquet. Nous sommes, et c'est ainsi. Les Protéens ont disparu il y a 50 000 ans. Vous ne pouviez pas être là. C'est impossible. La vie organique n'est qu'une mutation génétique. Un accident. Vos vies se mesurent en années, en décennies. Vous vous étiolez avant de mourir. Nous sommes éternels. L'apogée de l'évolution et de l'existence. Devant nous, vous n'êtes rien. Votre extinction est inévitable. Nous sommes l'accomplissement. Toutes les races de la galaxie se sont unies pour vous faire face. Assurance et sœur d'ignorance. Le cycle ne peut être interrompu. Le cycle? Quel cycle? Il s'est répété plus souvent que vous ne pouvez l'imaginer. Les civilisations organiques naissent, évoluent, progressent. Et arrivées à leur apogée, elles meurent. Les Protéens n'ont pas été les premiers. La citadelle n'est pas leur œuvre. Pas plus que les relais cosmodésiques. Ils les ont tout juste découverts. C'est l'héritage de mon espèce. Pourquoi auriez-vous construit les relais cosmodésiques si c'est pour les laisser à d'autres? Votre civilisation est basée sur la technologie des relais cosmodésiques. Notre technologie. En les utilisant, votre société se développe dans le sens que nous voulons. Nous imposons l'ordre au chaos de l'évolution. Vous existez avec notre permission et disparaîtrez par notre volonté. Ils nous moissonnent. Ils nous laissent évoluer jusqu'au niveau dont ils ont besoin et ils nous détruisent. De quoi avez-vous besoin? D'esclaves? De ressources? Ma race transcende votre compréhension. Chacun de nous est une entité-nation, indépendante, sans faille. Vous êtes incapable d'appréhender ne serait-ce que notre nature. D'où venez-vous? Qui vous a fabriqué? Nous n'avons ni commencement ni fin. Nous sommes absolus. Des millions d'années après la chute de votre civilisation, nous subsisterons. Où sont les autres moissonneurs? Vous êtes le dernier de votre espèce? Nous sommes légion. L'heure de notre retour a sonné. Nous assombrirons les cieux des mondes. Vous ne pouvez échapper à votre destin. Vous n'êtes qu'un simulacre de vie. Une machine, ça se détruit. Vos paroles sont aussi vides que votre avenir. Je suis le souffle de votre destruction. Commandant, on a un problème. Annoncez la couleur, Joker. C'est ce vaisseau, là, Sovereign. Il a viré de bord. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais ce truc vient de prendre un virage qui aurait coupé en deux n'importe lequel de nos vaisseaux. Il vient vers vous, et vite! Vous feriez mieux de vous tirer de là! Cette console ne marche plus. Vos ordres, commandant Shepard? On se dirige vers le centre d'élevage. Joker passera nous prendre quand on aura posé la bombe. Ok, mais du coup, alors attends. Ouais, mais c'est où?
Ah, ok. Ah ouais. Donc, la précision est pas ouf. Ok, et on va te rajouter Ok. Coup de cul. Non, raté. C'est ça que je voulais. La carte. Les guettes font demi-tour. Shepard ne doit plus être loin. Jeto, encerclement. Contenez-les. Empêchez-les. Ah là, il n'y a pas de... Il n'y a rien à récupérer là. Non. Ok. Ok les gars. J'imagine que c'est par là, hein, parce que de toute façon, pas de choix. Cette tourelle pourrait faire de jolis trous dans le Normandie. Vas-y, c'est relou ce truc là. Là. Ok.
Oh putain. Qu'est-ce qui lui arrive à lui là? Oh mais Gary Crozat. J'espère que je vais... J'espère que je vais pas repartir de trop loin. Ah ok, on repart de là. Oh chier. Bon, tant pis. Allez, allez. Tes âmes, ouvre-toi. Eh ? Ah ok. Pardon. Ok les gars. Ah bah ça c'est très bien ça. Merde. Ok. La compétence insuffisante. Ok. Ah Garus là il est mal en point là. Tant pis. Cette tourelle pourrait faire de jolis trous dans le Normandie. Vas-y, reviens.
compliqué, les gars. Ok, les gars. Ok, les gars. Et ouais, celle-ci. Wow. Ok. Super. Et là, il en reste un normalement. Ah oui, là. Ok, les gars. Ok, les gars. Super, les gars. Oh. Attention, ils nous ont suivis. Ok, les gars, oh, oh putain. Le commandant, on a l'autre canon en vue. Ok, ça marche. Allez, les gars. Fin aux agissements de sa reine. Ouais. Je sais pas si si je peux te... Comment on fait déjà? On va rater. Ah. Hop là. Immunité. Montée d'adrénaline. Non. Chérir. Sabotage, atténuation. On peut compter sur les galariens. Montrons-leur qu'ils peuvent... Voilà le canon. Éliminez les guettes et posez les charges. Oh putain. Ok. Ok, les gars, on est parti. Pas probablement venir. Ou pas. Charge posée, à couvert, vite. Ok, les gars. Là, les gars, c'est quoi ce bordel? Waouh, beau travail. Un problème de moins. Commandant, nous sommes en approche. Je vais nous poser aussi près du site que possible. Ok. La bombe est en place, commandant. On est tous prêts. Let's go. Commandant, vous me recevez? La bombe est presque prête.
Rejoignez le point de rendez-vous, Williams. On est coincé à l'extérieur de la base. On est à l'entrée de derrière, mais on se fait aligner. Le capitaine Kira est mort. On ne sera jamais au point de rendez-vous à temps. Sortez-les de là, Joker, tout de suite! Négatif, c'est trop dangereux! Vous ne pouvez pas prendre ce risque. On les retient aussi longtemps que... Ça va aller, commandant. Il me faut quelques minutes pour finir d'armer la bombe. Allez les chercher et retrouvez-moi ici! On va à la tour, allez! Vas-y, let's go les gars. Ok, allez. En ouverture, c'est là. Là, les gars, allez. Vas-y. Hop là. Putain, ça c'est relou. Je me suis fait défoncer. On recharge, hein. On recharge, on recharge. Bon, j'ai fait une connerie. Dans le sens où je suis resté hyper longtemps sans en étant pas du tout à couvert. Ouf. Le fils de... Voilà. Merde, mais... Oh la vache, putain. Ça fait mal. Ça fait carrément mal. Alors attends. On va... peut-être armer différemment. Donc ça, là, moi, il est... toute précision. Ouais, je... Ouais, quoique si je peux peut-être le prendre. Et puis il faut que je rajoute. Vas-y, 20% de dégâts en plus. Donc toi là, t'as un fusil à pompe. Toi là, tu vas prendre ça. Et tu vas rajouter ça. On va faire du dégât, les gars. Et toi là. Putain, celui-là est puissant, quoi. Ok, par contre, toi, si on a un truc genre. Ah tu, Ok, par contre, je vais peut-être te rajouter, rajouter ça. Attends, jamais, hein. Je sais pas ce qu'il faut. Ça. Vas-y, let's go, les gars. Let's go, les gars. Bon, je vais juste sauvegarder ça. Pour ne pas avoir à faire en permanence. Merde,
Oh non, j'ai pas le choix. Bon, putain. Ah putain, je veux le raptor moi. Putain, mais... Cible en ligne de tir. J'arrive pas à l'aligner. Oh putain. J'ai presque été à voir toi. Voilà, superbe. Putain. Oh putain, fais chier. Alors, bon, on va faire différemment. Putain, mais c'est pas ça que j'ai demandé, moi je veux le raptor, bordel. Chaud. Allez les gars. Putain. C'est tendu du slip quand même. Hein. Ok. Allez alors, bon, c'est reparti hein, parce qu'on a dit on n'est pas. Ah tiens. Petite caisse. Voilà. Oh là. Merde. Les guettes ont redémarré. Attention lieutenant. On vient de repérer un transport de troupes qui se dirige vers votre position. Il est déjà là. Les guettes débarquent en masse sur la position. Vous pourrez les contenir? Ils sont trop nombreux. Je ne crois pas qu'on tiendra le choc jusqu'à votre arrivée. J'active la bombe. Alenko, qu'est-ce que vous faites? Je vais faire en sorte que la bombe explose, quoi qu'il arrive. C'est fait, commandant. Allez chercher Williams et fichez le camp d'ici. Négatif. On pourra se débrouiller. Retournez chercher Alenko. Ah, le choix, Kaydan ou Alenko? Ou... enfin, Kaydan ou Ashley? Le choix est difficile. Ouais, j'ai besoin Alenko, d'un pilote. Contactez Joker et dites-lui de nous retrouver sur le site de la bombe. Oui, commandant. Je... C'est la meilleure solution, vous le savez, lieutenant. Accrochez-vous, Ash. Je reviendrai vous chercher. Nous savons tous les deux que ça n'arrivera pas, commandant. What? Mais si, ça arrivera. Où qu'on va du coup? Pas par là. A priori hein. Et du coup faut que je fasse quoi là? Pas clair leur truc là. Ok. Donc faut que je me refais un chemin vers le retour là, c'est ça là?
Sans déconner, j'ai fait. Je suis allé jusque là pour rien. Pas drôle. Ah. Ah, attends, merde, okay. C'est pas ça que je voulais, c'était la carte. Par la tour anti-aérienne. Bah, je... Putain. C'est quoi là? C'est la position de la bombe, ok. Ok. Bon, bah je retourne là en fait. Ok. Vas-y, vas-y, vas-y. Représente-toi, mec. Commandant, lancez le compte à rebours et partez. On ne peut pas les retenir. Bordel. Tir de suppression. Couvrez le flanc. Couvrez le... Félicitations, Shepard. Mais Geth était vraiment convaincu que les Galariens étaient la véritable menace. Impressionnante diversion. Mais c'est un coup d'épée dans l'eau. Je ne vais pas vous laisser détruire ce que j'ai accompli ici. Vous ne pouvez pas en comprendre les enjeux. Pourquoi faire ça? Rappelez-vous votre vision, Shepard. Plus que quiconque, vous savez ce dont les moissonneurs sont capables. On ne peut pas les arrêter. Ne vous enlisez pas dans une révolte futile. Ne sacrifiez pas tout au nom de liberté insignifiante. Les Protéens ont essayé de se défendre et ils ont été détruits jusqu'au dernier. Des billions de morts. Mais s'ils s'étaient inclinés devant les envahisseurs, que serait-il advenu? Peut-être les Protéens existeraient-ils toujours. La soumission n'est-elle pas préférable à l'extinction? Vous croyez vraiment que les moissonneurs nous laisseraient la vie sourde? Maintenant, vous voyez pourquoi je n'ai jamais soumis mon plan au conseil. Les êtres vivants que nous sommes sont commandés par leurs émotions plutôt que la logique. On se bat même si on sait qu'on n'a aucune chance. Mais en collaborant avec les moissonneurs, en nous rendant utiles, imaginez le nombre de vies qu'on pourrait économiser. Quand j'ai compris cela, j'ai rejoint Sovereign, même si j'étais conscient du danger. J'espérais que ce centre pourrait me protéger. Vous avez peur que Sovereign vous influence? Vous avez peur qu'il contrôle vos pensées? J'ai étudié les effets de l'endoctrine. Plus Sovereign exerce son contrôle, plus le sujet perd ses facultés. C'est ce qui me sauve. Sovereign a besoin que je trouve le canal. J'ai toujours toute ma tête pour l'instant.
Mais le passage d'allié à serviteur peut être subtil. Je ne le laisserai pas faire. Et pourquoi les Geth suivent-ils Sovereign? Parce qu'ils le prennent pour une sorte de dieu, le sommet de leur évolution. Mais la réaction de Sovereign est pour le moins parlante. Il se sent insulté. Sovereign n'a que faire de la pitoyable dévotion que lui offrent les Geth. Ce sont des instruments, et leur foi ne changera rien. Mais en tant qu'instruments, ils sont utiles. Ils vont survivre à la moisson. Pour être épargnés, nous aussi, il faut donc faire la preuve de notre utilité. Il faut collaborer avec les moissonneurs. Dites-moi pourquoi Sovereign a besoin du canal. Dites-moi ce que c'est. Peut-être qu'on peut trouver un moyen de les arrêter. Le canal est la clé de votre destruction et de mon salut. Sovereign a besoin de moi pour le trouver. C'est la seule raison pour laquelle je n'ai pas été endoctriné. Sovereign vous manipule et vous ne le savez même pas, vous êtes déjà à sa botte. Non. Sovereign a besoin de moi. Si je trouve le canal, il a promis de me laisser la vie sauve. C'est mon seul espoir. Ensemble, on peut arrêter Sovereign. Les maçonneurs ne sont pas invincibles, on peut les écraser. Je n'y crois plus, Shepard. On ne peut pas contester la vision. Les moissonneurs sont trop puissants pour s'en sortir. Le seul espoir, c'est de s'allier à eux. Sovereign est une machine et il pense comme une machine. Si je fais mes preuves, je serai une ressource qu'il faudra ménager. Il n'y a pas d'autre conclusion logique. Vous étiez un spectre. Vous aviez juré de défendre la galaxie et vous avez trahi votre parole pour sauver votre peau. Ce n'est pas pour moi que je fais ça. Vous ne comprenez pas. Sovereign sera victorieux, c'est inévitable. Ma décision est la seule valable si nous voulons survivre. Je forge une alliance entre les moissonneurs et nous, entre les êtres vivants et les machines. Ce faisant, je sauverai plus de vies que la galaxie n'a jamais portées. Mais vous voulez détruire mon œuvre. Vous voulez condamner notre civilisation tout entière à l'anéantissement. Pour cela, vous méritez de mourir. Merde, putain, j'étais trop. J'ai pas été assez prudent, j'aurais dû me J'aurais dû me recacher. Oh non! Oh putain, faut pas tout refaire. Oh, fait chier. Oh non, pas celle-là en plus. Oh la vache. Et merde, putain! Vas-y, comme ça c'est très vite torché. Vas-y, reload. Putain, ça me gave. Non, là c'est franchement pas drôle en fait. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas un... Allez, Raptor, voilà. Ah, ferme. Ah. Voilà, ça y est. Hop là.
Ok. Ah putain, je peux pas sauvegarder ici en plus. Quelle merde. Ça va mieux. Putain, oh, en plus il va falloir refaire tous les dialogues. C'est un jeu de merde quoi. En fait c'est dommage, ce dialogue était super bien. Enfin, l'échange avec l'autre connard là, c'était super bien. Sauf que... Putain, il va falloir tout refaire quoi, j'y crois pas. Allez. Ah là je peux sauvegarder. Bon bah au moins. Okay. Merde. Les quêtes ont recommencé. Attention lieutenant. On vient de repérer un transport de troupes qui arrive. Il est déjà là. Les guettes débarquent en masse sur la position. Ils sont. J'active la bombe. Alenko. Négatif. On pourra se débrouiller. Retournez Allez. Chercher Alenko. Alenko, oui, commandant. Je. Ouais, c'est la salut. Meilleure solution, vous le savez, lieutenant. Accrochez-vous. Ok, super. Donc là, je re-sauvegarde. Putain. Ah, oh, ça me gave. Putain. C'est ouf. Allez. Je vais venir l'ascenseur. Allez, let's go. Ok. Allez, let's go. Let's go, let's go, let's go. On va se mettre là. Paf. Hop là. Un pote mort. Wow. Merde. Non, c'est vrai que je suis mort déjà là. Bon. Peut-être que mes coéquipiers sont pas super bons. Allez. Putain, tout à l'heure j'ai réussi du premier coup, ça me saoule. Putain, qu'est-ce que j'aime pas refaire 15 fois les trucs, quoi, bordel. Aïe 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 aïe. Allez. Voilà. Putain, mais c'est ouf ça. Ok, ça y est. Putain, c'est ouf. Putain, mais ils sont... Qu'est-ce qu'ils font, mes potes, là?
pourquoi est-ce qu'il recharge pas aussi Ah putain, lui, ça fait one shot aussi. Ok. Sauvegarder. Putain, je peux pas sauvegarder en plus cette merde là. Putain, c'est dingue ça. Vas-y. Présente-toi, mec. Oh putain, je peux pas sauvegarder en plus. Lancez le compte à rebours et partez. On ne peut pas les retenir. Bordel. Tiens. De suppression. Couvrez le flanc. Couvrez le... Ok. Mais c'est un coup d'épée dans l'eau. Sovereign et les siens ont détruit les protéines. Oh merde. Rappelez-vous, des billions de morts. Mais s'ils s'étaient inclinés devant les envahisseurs. Vous croyez pas? Quand j'ai compris cela, j'ai rejoint Sovereign. Même si j'étais conscient du mal. Sovereign a besoin que je trouve le canal. J'ai pourquoi les gars. Mais en tant qu'instrument, ils sont utiles. Dites-moi pourquoi Sovereign. Le canal est la clé de votre destin. Sovereign. Non. Sovereign a besoin de moi. Si je trouve le canal, il a promis de me laisser la vie sauve. C'est mon seul espoir. Mais regardez les choses en face. Croyez pouvoir m'influencer. Sovereign est une machine et il pense comme une machine. Si je fais mes preuves, je serai une ressource qu'il faudra mener. Vous étiez. Mais vous voulez détruire. Alors attends. Oh putain, je peux pas sauvegarder encore. Avec Edan, il est presque pas mort. Accrochez-vous. Et du coup, Ashley, elle est dead ou pas? Quand même le plus important. Super relou par contre les trucs que tu peux pas sauvegarder et que t'es obligé de refaire du début, franchement non merci quoi. Je ne peux pas croire qu'Ash y soit resté. Comment on a pu la laisser là-bas? Williams connaissait les risques. Elle a donné sa vie pour nous sauver. Mais pourquoi moi? Pourquoi pas elle?
Vous n'êtes pas responsable, lieutenant. J'avais une décision à prendre, je l'ai fait, en votre faveur. Mais si j'avais fait plus attention, vous n'auriez pas eu à la prendre. Ce n'était ni votre faute ni la mienne. Le seul responsable ici, c'est Saren. Oui, commandant. On la vengera. Commandant, pardonnez-moi de vous interrompre, mais j'ai eu une idée. Je crois que la balise dans la base de Saren est similaire à celle d'Eden Prime. Elle a peut-être ajouté des éléments manquants dans votre vision. Je peux vous aider à les assembler. Vous voulez joindre votre conscience à la mienne, c'est ça? Allez-y. Détendez-vous, commandant. Contemplez. Incroyable. Je n'aurais jamais pensé que ces images puissent être aussi nettes, aussi vivantes. Accordez-moi un instant pour me ressaisir. Vous êtes capable d'interpréter cette vision ? C'est un appel de détresse. Un message envoyé dans tout l'Empire protéen, en guise d'avertissement contre les moissonneurs. Mais il est arrivé trop tard. Et le canal? J'ai vu d'autres images, des lieux, des endroits que j'ai vus dans mes recherches. Ilos! Le canal est sur Ilos! Ça ne me dit rien. Ça ne me surprend pas. Ilos se trouve dans une région de l'espace que seul le relais Mu permet d'atteindre. Malheureusement, ce relais a été perdu il y a des milliers d'années. Nul ne sait où il se trouve. Comment est-ce qu'on peut perdre un relais cosmodésique? À l'origine, ses coordonnées le situaient au cœur des systèmes Terminus. Malheureusement, une supernova d'un système proche a explosé il y a de cela 4000 ans. L'onde de choc a dévié le relais à des billions de kilomètres de sa trajectoire. Par la suite, le rémanent de supernova a plongé cette région dans un nuage de poussière d'une extrême densité. Il est déjà difficile de trouver un objet dans l'espace, mais dans un tel environnement, c'est peine perdue, à moins d'y consacrer plusieurs décennies. Si personne n'y a jamais mis les pieds, comment avez-vous reconnu Ilos? D'après les documents que j'ai consultés au cours de mes recherches. Je sais à quoi ressemble Ilos, mais j'ignore où elle se trouve. En somme, on n'a aucune chance. C'est ce que je crains, à moins que vous ne parveniez à découvrir ses coordonnées. Dans ce cas, il serait possible de... Oh. Désolé. Le rite de communion est... épuisant. Je devrais aller à l'infirmerie pour me reposer un moment. Le docteur Chakwas devrait vous examiner. Ce ne sera pas nécessaire. J'ai simplement besoin de repos. Nous avons terminé. Rompez. Commandant, il y a une balise de transmission dans le coin. Je peux me connecter si vous voulez prévenir le conseil. Au sujet de Sovereign. Non. Ils ne croiront pas un mot de tout ça. Pas sans preuve. Ce serait une perte de temps. Compris, commandant. Sovereign sera installé au sommet de la citadelle avant que ces têtes de mule acceptent de nous écouter. Alright. Ouais, très bien. Piou, compliqué. Allez, on va voir la petite... Tac, 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 tac. Oui. Allô. Commandant, vous venez prendre de mes nouvelles ? Vous m'avez l'air en meilleure forme. Comment vous sentez-vous ? Le docteur Chakwas m'assure que je vais me remettre. J'ai été très impressionné par sa connaissance de la physiologie Asari. C'est la meilleure. Vous êtes entre de bonnes mains. Le docteur Chakwas connaît parfaitement son affaire. Je réfléchissais à sa reine. En mon fort intérieur, j'ai pitié de lui. Il est devenu l'esclave des moissonneurs et il ne s'en rend même pas compte.
Il est prisonnier de son propre esprit. Condamné à voir sa propre identité disparaître lentement, sous le joug de Sovereign, sans pouvoir rien y faire. Je me demande comment il s'est laissé prendre par Sovereign. Pensait-il pouvoir arrêter les moissonneurs, ou était-il simplement guidé par la soif de puissance? Peu importe ses intentions, elles ont disparu. Il faut l'arrêter, point. Oui, sans doute. Victime ou non, c'est avant tout une menace pour toute la galaxie. Sa reine est déjà au centre de nos actes. Évitons qu'il monopolise aussi nos discussions. Changeons de sujet. Vous savez pourquoi votre mère s'est alliée à sa reine? Je n'ai jamais compris. Elle qui clamait sans cesse que les Asari devaient s'impliquer davantage dans les événements galactiques, elle pensait peut-être que s'allier avec sa reine donnerait des résultats positifs à long terme. Je l'espère. Vous en souffrez, apparemment. Je suis surtout désorientée. Benetia et moi n'avons pas parlé depuis de nombreuses années. Mais je la connais. Et tout ça ne lui ressemble pas. Quelque chose a changé en elle. J'aimerais en savoir plus sur les Asari. Nous avons été la première race à découvrir la citadelle. Le conseil... Mon peuple croit que nous... Bien que nous cherchions à comprendre les autres espèces, l'inverse n'est pas forcément... Comme par exemple ? La plupart portent... Nous avons néanmoins besoin d'un partenaire pour nous reproduire. Mais son espèce et son sexe sont sans importance. Je ne comprends pas. Accouplement ? Non, nous ces caractéristiques seront alors transmises à nos filles. C'est ainsi que nous évoluons en tant qu'espèce. Et votre partenaire ? Chaque relation est différente. D'autres peuvent durer plus longtemps. Parfois, une Asari et son partenaire restent ensemble pendant plusieurs décennies. Je dois vous laisser. Au revoir, Shepard. Ouais. Ok, bon, ben, on a pas mal avancé dans les aventures, là. Pendant la principale, du moins. Parce que là, si je vais dans le journal... Ah oui, j'ai un super... ouais, bah, montée d'adrénaline, et puis ça là. Et puis. Voilà. Ok. Ok, les vaisseaux. Ok. Journal. Bon, donc là déjà on va sauvegarder ça. Et puis on va probablement regarder où on va se diriger juste après. Là on était à Virmir. On va peut-être qu'on aille à Kepler, bordure de Kepler. Là en fait on a pas fait tout ça. Ça on l'a fait, là, Noveria. On fera peut-être celle-là à un moment donné. Ah. Cool, il y a un peu moins de planètes a priori. Enfin, beaucoup moins de systèmes du moins. Ça c'est bien parce que ça fait moins de temps sur ces trucs là. Ça fait avancer un peu plus vite l'histoire. Réception d'un message, je transfère. Là. J'ai reçu des informations qui pourraient vous intéresser, commandant. Quelqu'un élimine d'anciens scientifiques de l'Alliance. Il a fait 4 victimes le mois dernier. Je serais ravi de vous aider, amiral. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Nous avons trouvé un lien entre ces scientifiques et vous-même. Bizarre. Il s'avère qu'ils avaient tous les quatre participé à un projet classé top secret, sur Akuzé.
Ça n'a sûrement aucun rapport avec ce qui m'est arrivé sur Akuzé. Les dévoreurs ont massacré des dizaines de soldats. Si ce n'était pas un accident, il faut découvrir ce qui s'est passé. Commandant Shepard, j'ai pensé que vous aimeriez être au courant. Pour le reste, à vous de décider. Il y avait un autre scientifique sur le projet, un certain Dr. Wayne. Je vous transmets ses dernières coordonnées connues. Bonne chance. Cinquième flotte, terminée. Ok. Ok. On peut l'analyser. Ok. Si on peut l'analyser aussi. Ok. Et donc, il ne reste plus que celle-là sur laquelle on va atterrir. Donc, on va s'arrêter là. Nickelou. Eh ben, on va prendre Rex et Garrus. Ouais, on va faire ça. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de montagnes sur celle-là. Il a l'air d'y en avoir. Merde. On veut pas. Ah, bah on va pouvoir les monter de niveau aussi. Toi, on va te mettre en premier secours encore, et toi, on va te mettre en barrière. Puis, on va peut-être mettre de la stase. Tac, voilà. Ok, on va s'arrêter là. Juste un petit coup d'œil sur la carte. Pouf, 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 ok, bah, c'est très bien ça. Ok, bah à bientôt.